Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on évoque 5 indispensables pour faire des cosmétiques artisanaux soi-même dans de bonnes conditions. C'est parti. Première chose. La règle numéro 1 est également la règle d'or de toute cosmétose qui se respecte. C'est également la plus simple, mais il ne faut jamais l'oublier. C'est de se laver les mains. Pouvez-vous faire un produit purifiant qui va rendre votre peau plus belle si vos mains sont sales? Donc, lavez bien vos mains avant chaque préparation. Faites-le soigneusement et de préférence avec un produit respectueux de votre peau et aussi de l'environnement. Deuxième chose. Deuxième règle est l'utilisation d'un matériel uniquement dédié à la pratique de la cosmétique maison. On n'utilise pas ces fourchettes avec lesquelles on mange pour pratiquer la cosmétique. De même, l'éponge alimentaire et l'éponge cosmétique ne doivent pas être la même. Pas de crème à la bolognaise et pas de bolognaise à la crème corps. Il en va de même pour les chiffons pour essuyer les bols et le reste. Cela garantira une meilleure hygiène et plus de sécurité. Troisième chose. La troisième règle est de bien nettoyer son plan de travail. Cela va garantir une meilleure hygiène du produit. Alors n'oubliez jamais cette règle d'or. Quatrième chose. La quatrième règle est la désinfection des produits. Pour cela, vous pouvez utiliser plusieurs sortes d'alcool, soit de l'alcool médical, soit... Pour ma part, j'ai une bouteille de vodka à utiliser, je l'utilise car la vodka est un alcool pur et peut donc servir à la désinfection des cosmétiques. Vous pouvez l'utiliser en format simple sur un chiffon pour le passer à l'intérieur ou encore en spray. Cinquième chose. La dernière règle est de ne pas mélanger deux ingrédients avec le même ustensile. Sinon, vous risquez de compromettre la recette.